Track boys. Track boys. You heard the name. J-Quan. You ain't seen me in a minute. Petey Pablo. Bonjour à tous, ici le Goomba 80 pour une petite vidéo sympatoche sur le jeu Test Drive Unlimited 2. Donc c'est une petite vidéo direct live où ben je vais jouer tout simplement à ma carrière. Voilà, je vais avancer dans ma carrière. Alors. Bon, on va y aller tout de suite. Alors dis donc, tu commences pas à te sentir un peu à l'étroit dans ta baraque avec toutes ces bagnoles que t'as accumulées? Va faire un tour à l'agence immobilière histoire de voir ce qu'ils ont à te proposer. Donc les shops toujours à nous appeler. Vous voyez, j'ai acheté une belle Audi. Hein. La même que dans Grand Tourisme 5, l'Audi TT. Bon. Alors. Embaucher. Salle de course communautaire. Non. Ça fait quoi là-bas? Hein? 12:33, c'est quoi ça? Conduis-moi à l'école de pilotage. On va plutôt aller faire ça. Contre la montre. Qu'est-ce qu'il y a par là? Comme vous voyez, la carte est très très vaste. Le magasin, alors. Ah, ici, il n'y a rien. Bon, bah, on va aller cliquer sur la chaude bombe là. Voir ce que c'est. Ok. Alors, conduis-moi à l'école de pilotage. Genre, un petit loading. Donc les loadings qui sont vraiment très très bons. Salut, je suis tombée en rade. Donc, si tu peux me ramener à l'école de pilotage. Eh, mais ça me passe trop. J'ai du taf en retard. Alors, moi je vais être ok. Hein. C'est sympa quand même. Hein. C'est parti, let's go. Alors, 3 minutes. Je vais bien conduire quand même. La Claudie, ça va aller tout seul. C'est parti. Avec le petit truc que je vous ai pas dit, aussi il y a des flics. Donc c'est pour ça que je dis aussi, ça se rapproche de Need for Speed Most Wanted. Et on coupe, hein. C'est la fête. Putain, l'autre il nous a percuté, là, saleté, là. Il se croit où, c'est pas la fête au village, là. Sale Kekos, là. Pauvre femme, elle lui parler, là. Au moins, elle est pas exigeante comme l'autre. Super body. 3 km, j'espère qu'on va arriver à temps. Pas un gros cake, il va quand même rentrer dedans. Là, vous voyez un peu l'aliasing, les ombres, tout ça. C'est... Bon, c'est pas gênant. Gros point fort, c'est. Pour moi, la modélisation des voitures. C'est bien, pour l'autoroute, moi je cours super vite. Encore une minute là, j'espère qu'on y est à temps. J'ai quand même 3 000 $ à la clé. Putain de car. Ah merde, c'était long. Putain. Putain! Quoi, fais gaffe, là! Hein. Saleté, là! Hein. Quand on parle comme ça, là! J'espère que je vais t'attendre! Ah, par où on me fait passer l'Audi, là, c'est pas vrai, oh, c'est pas un 4x4, hein, c'est pas un pick-up, hein! C'est
partie là-bas. Nous sommes arrivés à destination. Voilà, 3000 dollars. C'est le seul cake. Ben voilà, regardez ma voiture dans l'état qu'elle est. C'est une école de pilotage souterrain. Je te fais visiter. Putain, là, dans l'état qu'elle est, on nous dit la merde. Alors, réussite totale 1 sur 100. Donc c'est qu'il y a pas mal de trucs à faire. Hein. Vous avez atteint votre destination. 25, ouais. Alors. Start. Donc j'ai deux voitures, 24 820, progression objectif, etc. On s'en fout. Bon, on va rentrer, on verra ce que c'est. Des beaux décors quand même. Hein. Putain, mon Audi là, dans les tocs, allez. Hey, bienvenue dans le monde déjanté du tout-terrain. Ici, on n'est pas chez les coincés de l'asphalte. On s'amuse, on s'éclate. Mais attention, la compétition, c'est la jungle. Si tu veux une place, il va falloir te battre. Salut tout le monde. Hey, Jay. Tu viens faire un tour dans mon bolide? Tu seras pas déçu. On va tracer dans la montagne. Et si t'as un peu peur, on va s'arranger. Dans tes rêves. Allez, on rentre à la maison. Ah, tu viens de faire la connaissance des Fireriders, la fine fleur du championnat tout terrain. Ok, voyons voir ce que tu donnes sur la piste. Ça va être carrément défoncé. Alors, école de pilotage, bon bah, je vais faire mon deuxième... Off-road license. Donc c'est pareil comme l'autre, 6 tests à faire. Premier contact. Alors, cette petite épreuve est un bon moyen d'appréhender les particularités de la conduite sur Terre. Ouais, bon, j'espère qu'ils vont pas nous coller un vieux taco là. Un Range Rover. Cette petite épreuve est un bon moyen d'appréhender les particularités de la conduite sur Terre. Donc je vous le rappelais, c'est du direct live. Donc si je joue comme un manche, c'est un peu normal. J'ai pas 10 heures de jeu dans les mains. Non, on va partir. Range Rover. Ouais. Racing School. Allez, là, il y a le tracé à suivre. Oh, qu'est-ce que c'est? Cette patinette. Ouais, voilà. 17 secondes. Ben voilà. Tu vois, c'était pas si compliqué. Test suivant. Rien de tel que des tours de circuit sur mon terrain aménagé pour voir comment tu te débrouilles. Ouais, bah le tank c'est pas un machin casse-gamelle, hein, donc on sort un pot. Allez, on va chauffer le Range Rover. Allez, 3, 2, 1, let's go, c'est parti. Allez, bon. Toujours assez simple, juste à passer, donc le C. Symbolise le checkpoint. Donc là il y a deux tours à faire, on peut voir en haut à gauche, je ne sais pas si vous allez voir dans la capture. Allez, allez. C'est bien, donc ça veut dire qu'à mon avis il y aura des courses en tout terrain à faire. On prend pour Sébastien Loeb. Allez, allez. Dernier tour, oh bah c'est facile. Oh, on s'est trop vite non plus. Il y a du temps quand même. Allez, sac dedans, ma gueule. Fais chauffer le Range Rover. Ah, misère. Oh là là là. Concentre-toi, tu vas rater ce test. Bon, non, allez. Pas ça à faire, moi. Tu te concentres un peu. Celle-là va pas nous les casser aussi, c'est pas possible là-dedans, c'est en plus comme ça ou quoi? Allez.
3, 2, 1, let's go! Allez, bon. Essayez de ne pas faire le Kekos, hein. Ah, on patine un peu. Donc là, ouais, sensation différente à chaque véhicule. C'est un bon point. Moi perso, je joue par exemple avec l'Audi, je joue mieux, je trouve, avec l'Audi, c'est sûr, j'ai pris de l'XP. Mais bon, l'Audi est plus maniable, je trouve. Bon, c'est pas une vieille Lotus toute pourrave. Dernier tour, je vais y aller. C'est surtout le pont qui me fait peur à chaque fois, là. Le petit endroit du pont. Ah ouais, du coup. Ah ouais, bon. J'ai trop compris le truc, là. Allez, passez le pont tranquillou, là. Allez. Temps restant. 3, 2... Putain, juste devant. Allez, on y croit. Bon, allez. Plus. On se motive. Bon. Allez, 3, 2, 1, let's go. Bon, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Je vais pas passer 50 plombs à faire le permis. Manquer au pire. C'est ça qui est cool aussi. Quand on peut revenir à tout moment, on peut se barrer et revenir plus tard. J'avais fait pareil à l'autre auto-école là. C'est vraiment, ça me l'est cassé. Oh lolo. C'est pas un homme, il est chaud, c'est pas un homme. Dernier tour, allez, c'est pas un homme là. Allez, sac de dain, tape dans la butte là, allez. Sac de dain, vainqueur. C'est Pascal Lobe. It's me. Et ben voilà, c'est du grand Lobe. Bon, je vois même plus le parcours là. Oh putain, j'ai quand même paniqué. Bordel de merde. Ben voilà. Bon, je dis. Dis donc, j'ai pas que ça à faire moi. Allez, retournez à l'école de pilotage. Je vais pas vous montrer tout le truc durant le parcours. Je resserrai en off. Moi je serai sûr de y arriver. Voilà, on se barre de l'eau, l'autre on va se faire voir. Allez. Putain, on nous dit dans l'état calé là. Ça faute là. Saleté là. Bon. On va aller se poster. Alors, on est déjà rendu à 12 minutes. C'est quoi ici? Salle des courses communautaires. On va aller voir ce que c'est. Alors, bon, bah. Comme. Donc là, par exemple, vous voyez, je sais pas si vous voyez, un petit canon. Donc, comme je vous l'avais dit, on peut pas forcément y aller tout de suite. Ah, vous devez être connecté au PlayStation Network pour accéder au jeu en ligne. Ouais, bah, super, je suis déconnecté. Allez, connexion, je vais essayer. Carré, ouais, j'appuie sur carré, bon, c'est pas grave. Allez, ok, on va toujours essayer d'y aller. Allez, let's go. Bon. Juste à suivre. Sur le petit plan. Putain, l'autre vraiment quand même nous a fait passer. À la prochaine intersection, tournez à gauche. Allez. Tournez à gauche. Ah ça, si c'est pas la classe. À Dallas. Bon allez, on continue. Oh mais non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est ça, non. Qu'est-ce que je veux faire? C'est pas le carré, c'est pas le rond. C'est pas le triangle. La croix, ouais, les feux. L1, ah oui, L1. Avec L1, on change la caméra, donc vu à l'intérieur, plutôt pas mal, hein. C'est pas du grand tourisme, mais bon. Là, ras du sol, les deux compteurs.
faire conduire comme ça. Miami Harris. Je viens de découvrir qu'il y a une clinique de chirurgie esthétique sur Ibiza. Je me suis dit que ça devrait t'intéresser. Un petit coup de bistouri te ferait pas de mal. T'as vraiment celle-là. Je cherche. Pareil comme ça. Allez. Donc là, je modifie la cible GPS en appuyant sur quoi. Bon, on va mettre sur la route là, où est-ce qu'on est là? On est planté là. Ah voilà, c'est là. À 15 km, vas-y. Donc là, c'est un peu le truc que je vous avais dit, hein. Comme dans une précédente vidéo, c'est la merde quand c'est super loin. Mais bon, si c'est que de l'autre route, c'est impeccable. Bon, le car va nous la recasser là. Vous voyez là par exemple, ça c'est ce que je vous parlais pour se faire de la thune. Regardez, hop, la petite jauge en haut, hop, et là, ah, 100 dollars. C'est tout con, hein. Bon, comme là, alors, regardez, on frôle les voitures et hop. Et bien, vous voyez là, il y avait une petite icône. Je peux faire une petite course avec ce gars-là. Ah voilà, 200 dollars. Voilà, donc ça c'est un peu galère. Putain, ma portière dans l'état, car elle est là où dit merde. Oh lolo. Il y a autant de dégâts dans le Grand Turismo 5. Ouais, bah moi je tourne à gauche, je passe par ici, hein. Allez, encore plein qui vont rigoler parce que je conduis comme un cake, mais bon, c'est le début du jeu, alors, hein. Allez, 16 minutes, on va continuer à choper. Donc là, infraction, vous avez vu en haut à droite. Donc si on fait trop le kekos, et bah. Ouh, c'était quoi ça? Cette icône représente l'accès à une épreuve vitesse en mode multijoueur. Tournez à droite. Donc vous avez vu, comme je vous ai dit, à tout moment on peut passer devant quelque chose. Vous voyez, c'était verrouillé. T'as mon Audi. T'as même dans Air Force Speed, moins 20, je crois pas qu'il y avait autant de dégâts. Donc là par contre c'est un peu galère, chaque fois qu'on fonce comme ça dans les trucs... Même dans les fleurs, dans les buissons, en pleine course, ça nous ralentit bien, on passe pas à travers. Vous avez obtenu un trophée chaud. Ah, bah c'est de la balle, hein. Tournez à gauche. Qu'est-ce qu'elle nous chante, là? Et peut-être que j'aurais pu passer ailleurs, c'est ça que ça va dire, hein. Bon. Ouais, par exemple, là, la barre, elle est assez barrée, parce que j'ai percuté. Oh, un club de tennis, super, là. On va se prendre pour Amélie Morace Mode. On est tout droit. Oh, du fric. Donc là, chaque fois vous avez vu, par contre, je monte jusqu'à 200. Je ne monte pas plus parce que là. Oh, il m'en. Ça c'est n'importe quoi, les poteaux là, on peut même pas les broyer là. Putain, je vous dis dans les toits, j'espère que ça va pas rester parce que hein, je me tape la route moi. Une caisse pareille là. Tout pété là. On fait gaffe toi. Chauffard le dimanche. Oh, allez, ça que dedans là. Ouais, je vous l'avais dit, c'est assez long, c'est chiant. Encore 7 km là. Allez, là en plus c'était les flics là, la bagnole rouge. Wouhou, ah, c'était Louis la Brocante ça. Putain. Oh, le portière tout oh, dans l'état. Allez, 6 km 19 minutes, bon, on va monter encore un peu plus, hein. Allez. À la prochaine intersection, tournez à droite. Ouais, je suis là que j'essaie de dire encore 4 points, mais moi j'en ai rien à secouer, hein, c'est pas en vrai. Heureusement d'ailleurs, parce que je pense que on sait pas beaucoup avoir le permis. À la prochaine intersection, tournez à gauche. Tranquillou, tournez à gauche.
Putain, on aurait pu couper à travers. Oh là. N'importe quoi, ça. Bon. Tournez à droite. Bon, je coupe, hein. Hey, mais un petit panneau. Bon, allez, là, ça que dingue. 5 km, 5 km, ça devient bon, ça devient bon. Oh, allez, encore de la thune. Allez, 4 km, 4 km, allez, reprends sur la route. Bon, celle-là au moins, c'est te dit. À la prochaine intersection. Ah tiens, toujours mieux que. Tournez à droite. Que la vieille Lotus pour avoir 90. Ouais, ben, je suis déjà à 110. Infraction, infraction, mais ils ont qu'à venir les flics. Je les ai pas encore vus là. On est, je vais faire exprès de foutre le gros bordel parce que. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ah, un avion qui passe. Oh. Vous présente l'accès à une épreuve course en mode multijoueur. Eh merde, prends le vol plané! Wouhouhou! Oh là là là, bah, j'espère qu'on crève pas. Bon! Vous roulez dans la mauvaise voie. Ouais, ta gueule. Faites demi-tour dès que possible. On voit que c'est du direct, hein. Superbe vol plané. La destination se trouve à 2 km. Encore plus dingue, ils vont être explosés de rire, hein, mais bon. Je m'en fiche. Cette vidéo, aussi pour le fun, c'est pour vous montrer le jeu. C'est du direct live. Votre destination. Carrément ça, la lésine dans le fond, là, les arbres, là. Tournez à gauche. Oh, putain d'arbre de merde, là. Bon, attends, on se croit en Afrique, là. Plus 50 points. Votre destination se trouve à 1 km. Ouais, bah allez, là, ça fait déjà au moins 3 minutes de vidéo qu'on roule, là. Cette icône représente l'accès à une épreuve radar en mode multijoueur. Eh, une épreuve radar, il y avait ça sur Most Wanted, je crois. Sur Need for Speed Most Wanted. Votre ouais. Destination se trouve à 500 mètres. Allez, là. 22 minutes. Bon, désolé si c'est un peu long. Mais bon, c'est parce que je n'y ai pas encore été. Hein. C'est du direct. C'est du direct. Hein, donc... Bon, allez, là, bouge-toi de là, toi. La clinique vous permet de modifier votre. Alors, il y a spécial la clinique. Oh la clinique. Pas l'air con. Ou là qu'un vieux nous dit bousiller comme ça. Non. La chirurgie esthétique, c'est magique. Vous allez pouvoir modeler le. La chirurgie esthétique, c'est magique. Youhou! Super jeu de mots. Alors, voyons ça de plus près. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, bof pas, là. Non, il va y avoir beaucoup de travail. Ouais, tu vois, regardez. Pour commencer. Alors, la tête, le visage, la peau, aléatoire, la tête, la teuté, front, pommette, joue, bas du visage, le menton, la tête, carrément la tête. Non, oh, pas le menton. Ah non, ouais. Ouais, mais c'est pas très intéressant. Le visage. Les yeux. Et la bouche, la peau, âge. Oh, salut, il mange. Voilà. Bon, c'est pas très intéressant. Alors, sortir et annuler. Oui. Putain, on s'est tapé, je sais pas combien de kilomètres pour des prunes, là. Pour vieille, pour voir venir pour une vieille sale, une saleté là, des poufiasses dans la cou là. T'as mis la caisse, donc ça c'est plutôt pas mal, hein, je trouve. La caisse qui reste dans un sale état,
obligé d'aller chercher la vieille Lotus, hein. Oh, un petit icône. Verrouillé. C'est pas vrai. Bon, select. Alors, différentes. On a fait du parcours. Donc là, en bleu, apparemment, ça serait par où on est passé. C'est en même temps logique. Donc, vous voyez que c'est encore à visiter quand même. Alors. Ouais, pour la licence B. Donc là c'était validé, la licence B, la licence C. Alors, ah oui c'est vrai, je ne suis pas connecté. Bon, okay, ça va se faire 25 minutes. Ouais, je pense qu'on va se quitter là. Puis là, c'est super loin. Je vais pouvoir taper plein de kilomètres. À moins que j'arrive à aller chez moi, tout simplement. Bon, alors, on bouge la carte. Elle est où ma baraque? École de pilotage. Ah voilà, les points clés. C'est quoi ici? Caravane. Y aller. Je vais aller voir. Dans notre caisse, je vais prendre celle-là. Si celle-là est toujours brouillée, on va voir ça. On va aller voir ça. On va aller dans le garage. Garage. Dans le garage, vous pouvez admirer vos voitures et interagir avec elles comme chez les concessionnaires. Dans chaque garage se trouve un panneau d'affichage pour accéder au menu. Allez, j'ouvre la partie. La baisse, le carreau aussi, c'est un petit pas magique. Ouais, ça va, je suis ordonné quand même. Hein. On peut voir, tout est bien rangé. Ma Lotus, le super drapeau américain. Là, c'est le même drapeau que dans Street Fighter. Pour Phelong, et après il y a notre gars aussi, mon bateau, il va y aller pour l'eau. Donc, je vais pas dire de bêtises, je n'ai rien, je dis espagnol, mais bon. Alors, on va voir un Lotus. Ouais, bon, conduire en son voiture, donner, comparer, conduire, sortir avec ce véhicule. 27 minutes, 28 minutes. Allez, c'est parti. Alors, select. Petit. Oh. C'est quoi là-dedans? Oh, immobilier. Ouh, allez voir ça. Le thune pour me payer autre chose qu'une vieille caravane toute poivre. On parle pas, super. Putain, il y a que des femmes au shampoing là-dedans. C'est un jeu pour mettre. Alors, acheter. Alors, sur Ibiza. Oh, oh, le fric. Ah, il est carrément un yacht. Tout pas mal. Donc là 800 000 $, 800 $, 365 $, 267 000 $, 205 000 $, 102 000 $, 95 000 $. Alors dans ma caravane il y a 8 meubles, le garage 2 places. Oula, il y a plus grand, c'est là 95 000 $. Je pense que je vais me payer ça. Déjà plus beau. Plus grand garage. Ah, visite virtuelle. Ah bah ouais, là, c'est... Visite virtuelle, maison Fontadelle. Donc c'est bien, on peut tout tester, hein. Télé 2. Bon, par contre, la déco en vert, c'est pas top.
Super vue sur la mer. Village fantôme, personne. Le pieux. Encore la mer. Waouh. Oh, un requin. Un requin. Voilà, 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 super déco, hein. Waouh. Je me la prendrai pour plus tard. Quitter. Bon, allez. Retour. Retour. Bon, on va ressortir de là. Select. Alors, point clé véhicule. Alors, point clé véhicule, ici. Retour d'occasion, ouais, ça m'intéresse pas. Ouais. Donc là, je vous l'ai dit, ils font pas tout, il y a quoi, Chevrolet, Dodge, Ford, Hummer, assez, je sais pas, ouais. Je sais pas quoi. Retour d'occasion. Une Mustang, une Volkswagen, et une Alfa Romeo. Y aller. Alors, j'en reviens au début là, ou à l'autre. Un gros Uber, ouais. 48, 40, 50, ouais, c'est la dôme. Son garage est toujours aussi grand, par près 3 caisses, donc il faut pitcher. Bon, toujours sa jambe cassée pour le PPR. Ouais. Bon, bah écoutez, on va se quitter là-dessus pour cette vidéo direct live sur le jeu Test Drive Unlimited 2. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc dédicace à au testeur du dimanche, à Doudou Galak, au Nanté 4400, à Lucio 8400, à Robin Libre One, à Kimoto 80, Vince Daft Punk, à Rick King et Malris, à Nono 230-181, au Gibril 6C80. N'oubliez pas notre page Facebook, la référence des testeurs de jeux vidéo. La page Facebook pour les fans de Gran Turismo, tout simplement Gran Turismo fans sur Facebook. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ce direct live sur TDU2, sur PS3. À la prochaine, bye!